l'association Les Connexions, on travaille avec eux. Ça fait 10 ans qu'ils travaillent avec le Marathon de Paris pour s'occuper de la gestion des déchets. Et nous, notre groupe, on s'occupe des textiles. Donc on ramasse tout ce que les coureurs jettent avant le départ. Et ensuite, on va le remettre dans un circuit pour en faire du réemploi. Donc on le donne à des associations d'économie sociale et solidaire. Et ensuite, c'est revendu à bas prix, redistribué à des gens qui en pourraient en avoir besoin, plutôt que ça finisse aux ordures ménagères, donc brûlé. Alors cette année, on a refait le test de l'année dernière. On a travaillé avec l'association Les Connexions, où ils ont déployé une quarantaine de personnes. Ils ont collecté les textiles qui étaient jetés par les coureurs. Nous avions, nous, de notre côté fonctionnel, une dizaine d'agents qui les aidaient pour enlever les multimatériaux et les ordures ménagères. Actuellement, nous avons une quinzaine d'engins de chaussée qui nettoient, qui lavent et qui aspirent le reste des déchets. Cette organisation, cette année, a été concluante. C'est la première fois que nous avons un départ aussi propre.